Bon. Ah, du coup, le spec était fermé, donc on a raté le tour de l'Ossa. Mais c'est pas grave. On est là. On tank pour le stream. Non, salvage, c'est salvage. Alors, bon, il y avait la zone... La zone PAPM. Qui a été donnée à tout le monde avec Crackler. Et c'est tout. Le Borkmage, il ne les a pas eu. Puis bon, la zone n'allait pas non plus, voilà. Et les invocs qui sont partis au casse-pipe. L'Eka qui envoie des top cages. Et on a un Eka. L'Odora plus le Stimu de Lenny. Pas mal de PAPM. Il n'y a pas d'Eka Ossa, je crois. Eka Ossa avec un Enu en plus. Tu te retrouves à 4 milliards de PAPM. Allez, Mansouri qui s'avance, qui envoie double piège de silence, le double. Et on s'en vit même pas, on reste totalement à découvert. Ah, et le double, malgré les pièges de silence, il a les PM pour aller au tacle. Oh, c'est bien joué. Et du coup, il n'y a plus la zone Stimu. Il peut la donner qu'au Sacri, la Lenny. Puisque sur Tempo, c'est pas une croix. C'est une zone de deux cases, comme un foudroiement. Et maîtrise d'armes, un petit peu de soin avec les Revita. Allez, ça rush, côté 101. Ils vont se faire accueillir par des pièges de silence. Hein. Ouais, ça repousse le double. Il invite, mais il n'y a plus de PA pour poser quoi que ce soit. Il y a quand même double piège de silence. Et vu comment on est paqué côté rouge, on va y avoir du PAPM en moins. Okay. Oh, ça va finalement. Ça... Oh, ça a esquivé de fou. Ils ont pas pris grand chose. Allez, double abso, épée volante. Mais du coup, c'est le sacré d'hostile ça? Oui, c'est Rinem en Disney. Ah, mais non, mais je sais. Non, mais c'est bon, j'ai compris l'embrouille. Là, ils font jouer leur remplaçant pour qu'il soit éligible aux récompenses. C'est bon, j'ai compris. Allez, Munta vient se mettre en ligne avec Disney. On met un petit peu d'érosion avec l'assaut. Allez, Salvaggio. Il avance. Il a la ligne de vue sur le Sacri. On envoie de la cinglante. Et il a tapé le panda là, non? Et du coup, ça a pas fait de dégâts? Parce que ça, sur le jeu normal, le panda, il prenait l'écrasement. Ah, les invoques, ils sont toujours un petit peu à l'ouest quand il y a un SRAM invisible. Alors, la roulette... Qu'est-ce qu'elle a donné, cette roulette? De l'érosion. 60% d'érosion à tout le monde. On va en profiter. Là, il faut mettre des dégâts sur ce tour-là. Alors, est-ce que l'érosion de la roulette, c'est comme l'érosion des autres sorts? Est-ce que ça part après le tour du perso? Normalement, oui. Hein. J'imagine que oui. Mais bon, on va vérifier quand même.
Allez, main de souris qui s'invite. On envoie le piège de silence. Allez, ça soigne pour Chalio. Il y a des pièges un peu partout, bien sûr. Et là, il y a SRAM contre SRAM. C'est au niveau des classes piliers et semi-piliers que ça change. On a Osa Panda contre Eni Eka. Et là, vu le nez qui est placé sur le sacrieur bleu. Le sacrieur de Marteau de Moon. Et Farrell en 14-9. Et au final, il n'y a pas eu de stimu. Hein. On n'a pas pu passer le stimu. Oh, le bon piège de silence là par contre. C'est qui Martyr? C'est le panda. Il a pris 4 PA 3 PM. Oh, le mini réseau de pièges répulsifs qui va envoyer le sacré rouge dans son camp. Il a qu'un seul PM et il a clairement pas la portée pour remettre une transpo ou que ce soit. C'est très bien joué, ça, de la part de Farrell. Ah oui, du coup, on n'avait pas vérifié pour l'érosion. Attends, je vais prendre l'épée. Ouais, ok. Donc, effectivement, ça part bien après le tour de la cible. Ça, l'Ossa, normalement, il l'a toujours. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand la cible joue que l'érosion disparaît, même avec la roulette. Allez, des dégâts sur le panda, des bons dégâts même. Une belle punition 1500. Avec l'épée volante qui passe par-dessus. Et Martyr qui se retrouve à 3000 HP. Il y a son Osa qui n'est pas loin. Et ça envoie de la frappe du crack. Elle a vu le nez hein, sur Munta. Et le Borkmash qui détacle sans pression. Allez, roulette portée. Tu te fous de moi là, Roshi. Tu vas me faire croire que c'est une faute de frappe, ça. Allez, les Sengal qui sont spammés par Azerty. Et c'est vrai qu'il y a du retrait PA inesquivable hein. Chez les Kaflip, du PM aussi. Mais c'est sur un panda, il peut se le debuff. J'imagine que... Toujours pas. J'imagine que ça marche comme sur le jeu classique. Avec le lait de bambou, on peut s'enlever le retrait PA. PA et PM d'ailleurs. Allez, ça soigne bien, il y a un ennemi. 6000 HP sur le sacri, 3700 sur le panda. Il a que 4 PA. Mais le problème, c'est que ouais, s'il se débuffe, il perd aussi la piqûre motivante, donc c'est pas du tout rentable.
Il gagnerait 2 PA, mais s'il utilise Picole Lait de Bambou, bah, ça lui coûte 2 PA, donc au final, il gagne aucun PA. Et donc, il va mettre la Vulné. Il va quand même se debuff pour récupérer les PA au prochain tour. Attends, quoi? Comment il avait 2 PA en plus, là? J'ai mal compté. Il avait plus 2 avec la piqûre. Et moins 4 avec les cingales. Donc il en récupère 2, mais avec Picole Lait de Bambou. Ça n'avait rien changé. Enfin bref. Eh, ce double là qui est pas si bien placé que ça, ça permet de donner une transpo à ce sacri qui va mettre de l'érosion sur Munta. Juste avant cette énorme punition, il y a double vulné sur le sacri, il a pris une puni à 4000. C'est pas une punition ça, c'est une colère de Yop. Mais il avait 4 non? Il me semble qu'il avait 4. Oui, mais il avait plus 2 de piqûre. Je sais pas. Bon, je sais pas. Je suis embrouillé, sûrement. Peu importe. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Ça rend le PA de lait de bambou, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah et voilà la réponse. Oh il y a un kill. Oh non on a été distrait. Et donc cette équipe bleue qui se retrouve sans sacrieur. Et ça fout le crit par contre pour Azerty. Avec ses cingales. Sur toujours le panda. Et bon, c'est le panda donc ça n'a pas trop d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est TK qui est déjà à 2500 HP. Si tu prends le Zap Crackler. Tu fais haut, gauche, haut, haut. Allez, c'était le gars qui se fait des buffs, il était en 16-8. Et il prend une vulné en plus. Farrell qui est loin et qui est taclé par ce double, mais bon. Ah, mais il a pas de double, lui. Il a posé le double juste avant, donc il peut pas mettre un piège répulsif et double peur pour sortir de là. Ok, il est tacle. Ok, serein.
Ouais, ça continue de taper sur les cas. Et il va tomber. Alors, désolé, je suis en train de gérer les résultats vite fait. Alors, bon, il n'y a plus d'écart. 4v2. Essaye de prendre le kill sur le panda, ça peut toujours donner un point. Mais bon, je vois pas comment il meurt à ce panda. Il a l'Ossa près de lui en plus. Ouais, ça met de l'érosion et encore une belle punie de ce sacrieur. Ouais, Lenny qui va tomber sous les coups du SRAM. Ferrell qui se fait tacler par le double, plus le crackler, plus un autre crackler. On met du fourvoiement. Et ça tacle et ça va être la fin. Victoire 201 en 4-0. Non, ils ont perdu quelqu'un, non? Ah non, ils sont bon, ils sont à 4. Rechali. 4-0 donc pour 101. Il est où le match? Il est là.